Je m'appelle Grégory Dumont, je suis chargé de mission handicap pour le groupe Capgemini et je suis donc j'ai cette fonction plus particulièrement pour le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Capgemini, c'est une entreprise de services numériques. Donc elle intervient surtout dans le domaine des services informatiques, le conseil et la transformation numérique. Oui, alors je participe au LinkedIn depuis, je dirais depuis sa création. Capgemini a toujours participé au LinkedIn depuis la création de celui-ci. Pour Capgemini, comme pour Execo, c'est un événement incontournable pour nous dans la région au niveau du recrutement, tout simplement. Alors je dirais que notre vision de l'inclusion, de toute façon, elle est définie par ce qu'on appelle un accord handicap, qui vient définir un peu nos règles de fonctionnement. Il y a notamment deux points qui sont importants sur cet axe, sur cet accord, qui sont les axes donc de recrutement, c'est une évidence, mais aussi et surtout l'axe maintien d'emploi. Et donc cet axe maintien en emploi, il est prépondérant. En fait, c'est tout ce qui va définir de quelle manière on peut s'adapter au handicap d'une personne, afin de trouver en sa compagnie, comment dire, je dirais, les fonctionnements pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, en vue du LinkedIn, l'éventail en fait des métiers sur lesquels on recrute est tellement large que j'invite peut-être les futurs participants à faire des recherches sur Internet pour avoir vraiment la palette la plus complète possible des métiers du groupe. Je dirais qu'il y en a quand même deux qui se dégagent, qui sont un peu tout ce qui est ingénieur, système et réseau. Architecte également dans la même branche, et puis le métier de développeur. Voilà où nos annonces sont généralement les plus nombreuses. Les deux. Recruter sans CV. Je vais dire utopique parce que ça ne suffit pas. Elles sont pertinentes, mais ça demande peut-être d'être retravaillées afin d'avancer le mieux possible. Je souhaite tout simplement au candidat d'être naturel, de pas d'éviter d'être stressé, oui, voilà, d'arriver avec un naturel face à un recruteur potentiel, afin de tout simplement de se montrer tels qu'ils sont et c'est comme ça qu'ils vendront bien à mes yeux leur candidature, tout simplement.